Même pas encore parce que j'étais à l'antidoping, mais voilà, ça c'est ça que c'est pas volontaire et que j'ai plus d'un de c'est pas. Non, c'est clair que bah, je suis plus coûteur, ça c'est normal parce que je suis énormément déçu, mais je pense qu'ils ont toujours vu que je me suis battu et maintenant, hein, c'est sûr, on a une bonne équipe et je pense que ça. Ouais, c'est sûr, malgré on a fait un bon match, tout ça, mais ça reste une défaite. En plus, on a fait une défaite, premier match par une défaite. Ça va être difficile pour les deux matchs qui restent, on sait que la tâche, ça va pas être facile. Par contre, on essaie de se donner le maximum, essayer de rebondir et faire un bon match, parce que dans le football, tout est possible, et faire un match, tout peut arriver. C'est certain que les regrets sont là, mais les enseignements sont toujours là également. Et les enseignements, on gagne ou on perd un match, ou on fait un match, il y a toujours des enseignements. Et les enseignements sont là. Je pense que pour les joueurs déjà qui jouent leur premier match de Coupe du Monde, ça c'est pour dire que ça se passe à des petits détails. Le petit détail c'est quoi? C'est par exemple une expulsion des joueurs, ça peut changer un match. Et là, parce qu'il faut se réorganiser, il faut jouer. C'est pas facile du tout. On a vu Uruguay, lorsqu'il a joué à 10, il a difficilement pu faire match nul. Donc ce sont les enseignements bien, aussi bien des autres matchs que ceux qui... Les enseignements, c'est aussi l'état de la pelouse et l'état également du ballon. Il faut tenir compte, donc les deux équipes, les Slovènes, ont tiré énormément parce qu'ils savaient quel était le problème pour les gardiens. Et je pense que sinon le reste, il y a beaucoup de points positifs. L'équipe en a demandé qu'elle fasse le maximum, ils ont fait le maximum. Alhamdulillah, Inch'Allah, cette équipe a de l'avenir. Pour les deux prochains matchs, vous restez confiants? Mais bien sûr, on va donner le maximum. Moi, je ne vous dis pas, on n'a rien à perdre, tout à gagner. Et chaque match, on va donner le maximum à mon point de vue. Inch'Allah, les joueurs sur le terrain, ils donnent le maximum. Inch'Allah, barakallah. وخاصة عندنا فرق في أحسن مستوى. أنا شفناهم البارح يعني حقيقة إنجلترا يعني في المستوى العالي. كرة القدم لازم ديما واحد ما يهبطش يديه كما يقولوا. Mais je pense qu'avec ce qu'on a proposé aujourd'hui, le jeu qu'on a proposé pendant 70 minutes, bon après on a eu cette expulsion, je pense qu'au haut niveau ça pardonne pas. Sur le match, je pense pas qu'on mérite de perdre. On n'a pas été ridicule, ils n'ont pas d'occasion. Donc c'est une déception ce soir de repartir avec zéro point. Ben, on est très déçus. Au vu du match, je pense qu'on méritait amplement au moins le point du match nul. Maintenant, on ne peut pas revenir en arrière. Le plus important, c'est de concentrer sur les deux matchs qui restent. On va essayer de se relever de ce match-là. C'est vrai qu'on est déçus parce que je pense qu'on ne méritait pas de perdre. Après, ça s'est joué sur un détail. Je pense que si on était resté même à 10 contre 11 encore, on sentait qu'on pouvait marquer et remporter ce match-là après. Il y a eu des petits détails, comme je le répète, qui ont fait la différence à ce niveau, ça se paie cash, les moindres petits détails. Il a un effet exceptionnel et je pense qu'il est à notre portée. Maintenant, le constat que l'on peut faire, c'est qu'ils ont peut-être plus d'expérience, plus de bouteilles, nous on a peut-être encore un petit peu trop naïf, donc c'est la différence entre eux. Le tournoi du match, c'était la sortie de Razel quand même. Ouais, ça a été un tournoi, ouais, oui et non, parce qu'on a déjà vu des équipes à 10. Mais bon, là, ça fait retourner contre nous. Il faut être une personne, on gagne ensemble et on perd ensemble. Il fallait pas être abattu, parce qu'on a quand même fait bon match, même à 10. Donc voilà, maintenant, ce qui va être important, ça va être de rebondir face à l'Angleterre. Et on sait qu'on en est capable, on a les capacités pour. On est l'équipe d'Algérie, on doit craindre personne. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, il y a eu des faits de jeu, un carton rouge. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'a pas été... On n'a pas été vernis par la chance, on n'a pas eu de chance, donc voilà, mais je pense qu'on ne peut vraiment rien reprocher aux joueurs qui étaient sur le terrain parce qu'ils ont tout donné, ils ont... C'est normal, c'est une défaite, mais ça vous a appuyé, mais c'est notre résultat, généralement, M. Herrera a le Mokabala, les matchs à le haut niveau, ça joue sur des petits détails, et puis avec le Chifnalium, le Chifnalium, quand on fait un adhère, on ne peut pas nous le résultat, et puis... Mais même par rapport à ça, je suis très bien, ils ont donné une bonne réponse et ils ont été très bien. Très bien. Aujourd'hui, on avait l'opportunité de passer premier.
plus pense qu'on mérite de gagner ce match. Maintenant, comme j'ai dit, c'est un manque d'efficacité offensive. Si on met des buts, on ne prend pas le but derrière. Maintenant, les matchs contre l'Angleterre, ça va être très difficile, ça va être le tournant de la compétition. Et qu'est-ce que vous avez dit aux vestiaires à la fin? Il y a toujours le moral? Oui, il y a le moral, parce que je vous ai dit, le match a été bon. On a produit le jeu sur tout le match, et comme j'ai dit, c'est juste un manque d'efficacité. Et donc, il y a beaucoup de satisfaction? Satisfaction quand on perd, non. Mais on n'est pas très déçu, parce que voilà, on a produit le jeu, et on s'est battu. Faut prendre le plus de temps possible. Après, on verra ce qui va se passer. Je sais qu'il reste deux matchs, on fera deux bons matchs. Et qu'est-ce que vous dites au vestiaire à la fin? Non, on a fait un bon match, mais voilà, maintenant, aujourd'hui, on prend 0 points et il faudra se ressaisir très très vite. Et le moral aussi, vous y croyez toujours? Oui, on y croit toujours, même. C'est pas évident, parce que le gros match, mais. Meilleur mine et en déclarer vouloir revoir le match sur le petit écran, histoire de voir ce qui n'a pas marché contre la Slovénie. J'ai revu le match, j'ai demandé la vidéo pour le revoir et puis voilà, après faut être honnête, d'accord, ok, on a fait certaines belles choses et encore. On a su garder le ballon et tout, mais je veux dire, après on a joué petit bras, faut dire la vérité. Moi je suis un peu déçu, je suis aussi un peu frustré parce que après on reproche aux attaquants de pas être dangereux, pas être efficace, mais je veux dire, ces attaquants reçoivent pas de ballon. Personnellement j'ai touché je crois 5 ballons dans le match ou un truc comme ça. Donc après comment voulez-vous qu'on fasse quelque chose si on reçoit pas de ballon? Dire on arrive à bien jouer jusqu'au milieu de terrain, après une fois qu'on arrive au milieu de terrain, on joue plus vers l'avant et on n'ose pas faire la dernière passe qui peut être dangereuse. Nos capés sont certes très déçus et inquiets, mais n'entendent pas lâcher du lest. Tout au contraire, ils ont d'ores et déjà la tête au match de vendredi prochain contre l'Angleterre. L'Angleterre, on a vu contre les USA qu'il y avait la place de faire quelque chose. Et il faut qu'on joue offensivement et qu'on y aille et qu'on n'ait pas peur. Et voilà, parce que sinon ça sert à rien. Je veux dire, faut oser, faut qu'on prenne nos responsabilités, qu'on tente et qu'on ose. Mission ô combien difficile, et pour y parvenir, nos représentants doivent sortir le grand jeu, redoubler d'efforts et continuer à jouer avec les tripes. Je pense que nous avons perdu un match, mais il nous reste deux autres matchs. C'est sûr que ce sont des matchs extrêmement difficiles, mais je pense que dans le football, c'est ça. Je pense qu'il faut, on va se remettre en place psychologiquement et tactiquement et jouer à fond les deux matchs. Bon, ce qui s'est passé, je pense qu'on a discuté hier, on a étalé en long et large ce qui nous semble le scénario du match. Mais comme vient de le dire le président, je pense que nous avons fait un très bon match et j'espère qu'on va le renouveler encore avec plus d'efficacité devant. Cette équipe s'est retrouvée hier, elle a produit pour moi un bon match. Nous avons été victimes d'un concours de circonstances exceptionnelles. Quand un joueur comme Razal, que je soutiens de tout mon poids, fait deux petites erreurs, il est sanctionné deux fois de deux avertissements pour deux fautes ridicules et qu'il empêche l'équipe d'être au complet, cela a fait basculer le match à ce moment-là. On n'a pas démérité, c'est un match qui aurait pu être de notre côté, on aurait pu le gagner, on aurait pu sortir avec un draw, on aurait pu sortir avec un match nul, ne serait-ce que ce but assassin qui était dû peut-être à la vitesse particulière de ce ballon ou à un moment d'absence de concentration du gardien. Ce gardien a fait un très très bon match, il a pu arrêter des balles plus difficiles, mais pas celle-là, hélas. Très optimiste pour la suite de la compétition. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à tirer de cette défaite. نتحب مسؤولية غزال لأنه حطمنا وحطم شعب في مدة خمس دقائق ياخذ بطاقتين صفراء وبطاقة حمراء. أنا متأسف لكل العرب، عندنا فريق لا بأس به، لكن المدرب يا أخي مدرب هو يكتفي بوصوله إلى كأس العالم. وحتى النجم العالمي ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان خرج قبل نهاية المباراة متأثرا بخسارة الجزائر. الإعلام الجزائري كان حاضرا بقوة وكله كان على ثقة بأن الفوز على سلوفينيا أكثر من منطقي قبل أن تتحول هذه الثقة
إلى صدمة في نهاية المباراة. المنتخب الوطني ضيع فرصة كبيرة نحو المرور نحو الدور الثاني بعد الهزيمة هذه الغير منتظرة، لأن في الشوط الأول أظهر بعض الإمكانيات لا بأس بها من ناحية الهجومية، أتيحت لنا بعض الفرص، لكن في الشوط الثاني أعتقد أن المنعرج لقاء هو طرد المهاجم عبد القادر غزال. الفريق الوطني يعني كان متحكم في زمام المباراة كما يلزم الحال، إلا أنه الفريق السلوفيني اللي ما غامرش كتير جاته فرصة سجلها، هذه كرة القدم لازم تقبلوا الهزيمة كما تقبلوا أي نتيجة أخرى. الآلاف من الجزائريين والأفارقة آزروا المنتخب الجزائري طيلة فترات المباراة، لكن الفوز ذهب في النهاية لمنتخب سلوفينيا.